Hello, retour dans la nature de God of War chez les Vikings. Kratos fait du ski, tout ça, tout ça. On était bien parti la dernière fois, on avait quasiment fini. On arrivait sur la fin d'un niveau là, d'un monde là, Alfheim, de mémoire, donc on avait bien avancé. C'était pas tout mal. Hein. Voilà. Et là, on allait. Bon, ça va se Là, péter. Hein. quand ça tombera, tiens-toi prêt. On devra faire vite. D'accord. Ouais, c'est ça. Hop là. Allez. Une surprise. Saute, Atreus! D'accord! Ouais, c'est la merde. Ils arrivent! Suis-moi et couvre nos arrières! Oui, père! Oh putain, mais. Oh putain, mais. Allez. Ah, voilà, trop bien. Voilà. Continue de tirer. Je vais dégager la voie. Ah. Paf, voilà. Paf, entre tes voilà. volets. Tu m'avais dit la précision avant la vitesse. Il y a des cibles partout. Tu ne peux pas les rater. Paf, voilà, moi. Des fous, ça. Ils sont partout. L'étroitesse du chemin devrait les retenir. Reste concentré. Paf. Voilà. Voilà. Paf, voilà. Paf, voilà. Tu es blessé. Non, ça va. Waouh, c'est magnifique. On a foutu un sacré bordel, hein, quand même. La lumière, elle fait réapparaître le temple tout entier. C'est la source de tout. Écoute, elle chante. J'entends. Je l'entends! Je t'avais dit que c'était elle! Tu crois qu'elle est ici? Oh! Ça fait vraiment mal! Comme si maman était en feu! Reste ici. Mais je veux dire... Tu restes ici. Ne l'utilise qu'en dernier recours.
Tu me donnes ta hache? Je te laisse tenir ma hache. Ce n'est pas un cadeau. Quand même. Bon, allez. Que se passe-t-il? Faye. Il faut que tu reviennes. Tu m'as laissé tout seul. Atreus. Avec lui. Il part sans arrêt. Il est jamais là. Il veut pas de moi et il m'acceptera jamais. Je sais rien de lui et il sait rien de moi. Mais je l'intéresse pas. Je suis fort et intelligent. Je suis pas comme il l'imagine. Je sais que j'ai raison. Il me parle jamais. Il veut rien m'apprendre. Ça aurait dû être lui. Tu m'entends? Lui, pas toi. Mais... Le principe, c'est qu'on refait jeu. Je ne pense pas vraiment. Tu sais que je l'aime. Je voudrais juste qu'il soit meilleur. Je sais qu'il en est capable. S'il fait des efforts, j'en ferai aussi. Mais sinon... Je t'en prie, reviens. Je sais que t'es là quelque part. Tu t'as pris! Je t'ai sauvé! T'étais coincé là-dedans! J'ai attendu encore et encore, mais comme tu revenais pas, alors je t'ai tiré de là! Atreus! Je ne suis parti que quelques... minutes. Non! T'es parti vraiment... très longtemps! Je savais plus quoi faire, tu m'as abandonné! Encore une fois! Pourquoi tu t'en fiches? C'est impossible. On devrait partir avant qu'ils reviennent. J'espère que t'as trouvé ce que tu cherchais. Oui. Regarde, on peut sortir grâce à ça. Mais il n'y a pas de lumière pour créer un pont. On est coincé, et la corde d'arc de la sorcière ne sert à rien. Atreus, ton arc. Tiens-le. Point. Quand je te le dirai, lance ta flèche sur la pierre. Tu
marcher. On peut rebrousser chemin maintenant. Viens. L'escalier est bloqué. Il y a un cristal lumineux. Là, juste devant. Il pourrait peut-être nous aider à quitter cet endroit sordide. C'est possible. J'ai pas tout compris, mais bon, bref. C'est peut-être d'aller là-bas. Non. Ah, mais on doit pouvoir... Ah, putain, mais... Ah. Et si je le mets là-bas? Ça c'est bien si je le mets là-bas. Ah! Très intéressant ça, les gars. Et on retire l'ampoule. Et là-bas, il doit y avoir un truc. Hein. Obligé, quoi. Là, il doit y avoir un truc. Allez. Comme ça. Ah, mais oui, ok. J'ai pas vu. Ok, j'avais pas fait gaffe. Youpi. Oh la vache, non ça fait mal. Voilà. Ah mais tiens. Hop là, voilà, de l'argent.
Pas de trucs là-dedans. Ah, tiens, tiens. Ok. Hop, 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 hop. Ah, vas-y, viens, toi. Paf, ok. Voilà. Ah, ah. Voilà. Non, ben voilà. Activer le cristal si tu me trouves un angle de tir. Remontons à la surface. Non mais attends, attends, il y avait un autre truc là-bas. Ah. Ah mais oui, si tu trouves un angle de tir, ça va être tout là-haut. Qu'est-ce que tu veux, toi? Putain. Ah. 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 Oh putain. Oh là, paf. Paf. Voilà. Paf. Voilà. Bon, est-ce que... Non, ils m'ont pas filé de trucs là. Ah si, tiens, là, il y a des... merde. Ouf. Bien raté. Ah, très bien. Alors. Oui, en effet, on doit avoir. Tiens, mais toi, t'as pas. Non. Aucun. Non, aucun, aucun. Ouais, j'ai mis 500 là. Ah. Alors là, c'est quoi ça? Moi, je veux ça. Ouais. La fumineuse de ouf. Voilà. Après, pour le reste, j'ai plus forcément des masses de, d'XP, mais bon. Ouais. Ok, non, je vais peut-être sauvegarder aussi. Pouf. Allez, allons par là. Oui. Encore bloqué. Salut les gars. Ah. Ah.
pas tout, hein. Ouais, mais tiens, là, il y a... Voilà. Petit coffre. Ok, ça peut être pas mal ça. Ok. Comment quoi qu'est-ce là-dessus? Ah mais. Un petit peu. Non mais... Où est-ce que tu vas mettre ça? Bah... Simple, hein, il y a un endroit à te trouver, hein. Oh tiens David. Hop, je prends. Oh merde, tac, tiens. Là, regarde. Il va faire la lecture à ton pater. Hein. Ok. Tiens, tiens. La porte bleue qui n'est pas une porte. Et une vasque de sable. Et comment je suis censé l'attendre? Des trucs là ici. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Graine. Mémorise la forme. Oui, c'est bon. Attends. En décembre, là, y'a rien. Ah, mais si! Ah, mais attends. What, what, what? Attends, 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 attends. Un truc. Jusqu'où je peux monter là? Je peux monter ici. Non! C'est pas grave. Ok. Bon. Il y a un truc ici en tout cas. Un truc ici à trouver. Attends, parce que si je fais ça là comme ça, en fait ça va. Donc. Bon bah tant pis.
Tu comptes emporter ça partout? Pourquoi pas? Je pense. Oh merde. Voilà, je savais bien qu'il y avait un truc à faire là-bas. Et de là. J'ai un peu. Bon, là, il y a un coffre, déjà. Au lieu de piller un temple sacré, on pourrait peut-être trouver un moyen de sortir. Quand j'aurai besoin de ton avis, mon garçon, je te le demanderai. Regardez où le N. Ah, il est là. Ok. Donc là, si je fais ça et... Ça va être bon. Non. Putain, mais non, mais. Ah putain, mais non. Putain, je suis en train de. Non. Ah, fait chier. J'ai tout gaspillé là. Ah, chiotte de merde là. Putain, la merde, c'est la merde. Merde, chef. Putain, juste. En fait, ce qui fait chier. Ah! Alors attends, après, est-ce que. D'ici. Ah, d'ici, je peux pas. Si, en fait, je peux pas. En fait, c'est ça qui fait chier, en fait. Come on.
matos là, putain, mais bah, tire, bordel! Ah putain, casse les pieds, bon, je crois que je vais abandonner après. Hein. Mais c'est quand même vachement facile pour avoir de la vie ce truc, ou de la rage. Putain! Ok, on va essayer de tenter comme ça. Merde, putain. Allez, putain de merde. Ah, merde. Ah, ouais. Ah, c'est En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que... ce putain de truc, il est pas... Alors là, il est pas calé, quoi, donc c'est-à-dire que... Voilà... Là, je peux pas le choper comme ça, quoi. C'est mort. Que là... Putain, il est où? Il est là. Ah putain, non mais c'est mort en fait. Non mais là, le temps de se remettre. Voilà le temps de... Donc ok, donc c'est comme ça. Donc comme ça, il y a moyen de... Ah merde. Ah attends. Bon, si je me mets... Ah putain. Ouais, si je me mets comme ça. Attends, comme ça. Donc là, comme ça, pouf. Et là... Ouais, voilà, il va falloir que je... Ah putain, mais je vais trop loin. En fait, le temps de visée est trop long.
Franchement, c'est pas. Je vois pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait des ennemis comme ça. Putain, mais. Ah. Ok. Ok. Essai encore là. Puis, parce qu'après on va s'ennuyer quand même un peu. Ça va être un peu relou. Bon. Alors. Quoi qu'il fût. J'ai quand même ce coffre là. Allez, je suis sûr que là, ici, là, sur la bonne piste. Ah putain. Non mais ça se trouve, c'est pas jouable à la manette. Hein. Là, je suis à la manette du coup. Oh, là, attends, on va refaire parce que là du coup il y a eu faux départ. Oh non putain. Bon bah allez qu'ils aient super foutre. Hein. À un moment donné. Commence à bien suffire cette merde. Bon, ça devient plus drôle. Voilà. Tu dois pouvoir atteindre la vasque. Oui. Ok la vasque, mais quelle vasque? Attends, ça va jusqu'où ça? Ok la vasque. Ah! Ah, ici. Vas-y. Du plus grand homme au plus grand arbre, tout commence comme moi. Oui, ces graines, ces ennemis sont stupides. Voilà. Il y a une porte finalement. Still. Bézère, c'est Bézère.
Parfait. Revoilà l'elfe avec les cornes. Qu'est-ce qu'il nous veut cette fois? Je déteste ce type. Il va revenir. On doit vraiment redescendre là-dedans. Tu vois un autre chemin? Non. Alors? Voilà. Il manquait de l'argent. Allez. Oh là là. Voilà. Oh, okay. Ça m'aiderait que tu tiennes la lumière en hauteur pour que je vois où je tire. Fie-toi à ton ouïe, adapte-toi. C'est ce que je fais. Là-bas, il y avait de la lumière bleue aussi ou pas? Ah ouais, tiens. Ok, bon bah là il manque des trucs en fait. Par contre, il m'a bien niqué ce petit con là. Pong, 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 pong.
Ah, trop bien. Non. Voilà. En vous remerciant. Putain. Ça fait un moment qu'on est ici. Ok. Tu vas emmener ce cristal partout avec toi comme l'autre? S'il le faut. C'est long. Je m'ennuie. Entre les coffres de merde et ça là, c'est pas très drôle. Ah, d'accord. Ça c'est le truc genre comme ça là. Protection du torse.
Non, monsieur, j'allais très bien en fait. Alors, ça a ouvert d'autres portes ou pas là? Non. Ok, bon bah en fait. Ça fait un moment qu'on est ici. Ouh, toi gamin, tu commences à me faire brailler. Ah merde! Ah bah oui. Ah bah il va falloir leur choper le cristal là. Ok. On va reprendre le cristal. Allez, c'est parti encore pour le cristal. Putain, c'est chiant. Franchement, il y en a qui présentaient ce jeu-là comme un truc de ouf et tout. Mais... Sympa, mais pas plus quoi. Trop de trucs chiants quoi. Atreus, tire! Je sais ce que j'ai à faire. Bon bah fais-le alors. Non, c'est pas bon ça. Non. Enfin, on peut utiliser la vasque grâce à laquelle on est descendu la première fois. Je supporte plus cet endroit. Ok. Très bien. Et là, il n'y avait pas d'autres trucs là. Ah, il y avait ce côté-là qui était pénible aussi là. Bordel, là. Ce truc qui était impossible à faire. Vas-y là. Bref. Bon allez. Vas-y Triste là, fais un truc. Oh le salaud! Putain mais mec paf paf T'es où mec? Vas-y reviens là. Oh shit. Je suis pas bien là. Oh la vache. Oh la vache, j'ai rien fait comme dégâts. Un truc de ouf. C'est un truc de dingo. Je ne lui ai strictement rien fait. Alors. Oh putain. Oh putain.
Ah mais t'es là toi. Putain mais j'ai paré là, oh. Vas-y, je parie. Putain, ah j'étais bloqué par ce truc là. Bon, j'étais... Ouais, je sais pas si je vais pouvoir l'avoir celui-là. Quand même... Complicado parce qu'en plus il réagit pas au truc de lumière, hein, au flash de lumière. On s'en bat les couilles. Bon. Allez. Allez. Putain. Il est où? Ah mais t'es là. Putain mais Putain mais je l'ai paré là, oh. Putain mais je l'ai paré, vas-y. Putain. Vas-y, ça me casse les couilles. Putain mais j'avais de la vie. Putain mais... Voilà. Voilà. Oh merde. Oh merde. Putain. Alors j'en avais parlé de la vie. J'en avais parlé de la vie. Voilà. Putain. Non. Oh non, putain, je l'avais presque eu. Fais chier, j'étais pas loin, j'avais compris le truc. De la merde. Ah oui, merde. Bon, dernière tentative, après j'arrête, ça fait déjà... Ça m'énerve ce truc. Putain mais c'est nul. Putain mais j'ai paré bordel. Ah merde, je me suis trompé de bouton. C'est pour ça aussi. Oh putain. Ok, vas-y. Hein. Putain. Oh non mais putain mais... Putain allez.
Voilà. Voilà. Oh putain. Putain, je sais pas où est la vie, je sais pas où est la vie, elle est là. Oh putain. Putain de merde. Vas-y. Voilà. Oh putain. Oh putain. Oh. Impossible. Qu'a-t-il dit? On avait commis une grave erreur. Bah ouais, vas-y alors. Niveau 1. Ok. Très bien. Tu crois qu'on a aidé le mauvais camp? Je... Laisse-moi deviner. Tu vas me prendre de haut et dire que tu m'avais prévenu qu'il fallait... Il fallait, je sais pas quoi. Je vais pas s'en mêler. Ça suffit. On peut y aller maintenant? Ouais, ouais, vas-y, tu peux y aller. Tu te souviens de la réponse? Oui, oui. Atreus, Lisa, Atreus, qu'est-ce que ça veut dire? Les seules fois où tu me parles, c'est quand t'as besoin de quelque chose. Tu as quelque chose à me dire? J'ai dit que les seules fois où tu me parlais, c'était pour me demander de traduire quelque chose. Si maman est encore si là... Si ta mère était encore en vie, nous ne serions pas là. Atreus. Oublie ça. Très bien. Ok. Chouk. Gondolé. Alors? Elle était dans la lumière? Qui? Tu sais bien. Non, elle n'était pas là. Tu t'en fiches complètement de toute façon. Fais attention à ce que tu dis! Si on veut terminer ce voyage, l'un de nous doit rester concentré. Ne prends pas mon silence pour de l'indifférence. Fais ton deuil à ta façon. Et laisse-moi faire le mien. Je suis désolé. J'avais pas réalisé. Non. Comment l'aurais-tu pu? Tu ne me connais pas. Je sais que ça n'a pas été facile. Dans la lumière, c'est comme s'il ne s'était écoulé que quelques instants. Si ça peut te rassurer. C'est bon à savoir. Vraiment. Alors, est-ce qu'on retourne à Midgard pour affronter le souffle noir? Ou tu penses qu'il y a encore des choses à voir dans ce royaume?
Pourquoi tu dis que je vois avec les yeux d'un enfant ? À la guerre, un soldat ne voit la beauté que dans le sang de l'ennemi. Il oublie tout le reste. Parfois, à tout jamais. Toi, tu connais la guerre, pas vrai ? Les guerres sont motivées par deux choses, la survie et le gain. Les batailles sont gagnées par les meilleurs soldats. Les guerres sont gagnées par ceux qui sont prêts à tout sacrifier. Voilà, vous avez été occupé à ce que je vois. On ne peut rien te cacher. Le sens de l'observation est légendaire. Vous avez l'air de vous préparer à un long voyage, tous les deux. Il y a un temple abandonné à Midgard qui servait de réserve personnelle à un autre nain. Il y a entassé toutes sortes de trésors qu'il a amassés pendant ses voyages dans les différents royaumes. Dans les différents royaumes ? Lesquels a-t-il visité ? Et qu'est-ce qu'il en a rapporté ? Fafnir était, comment dire, obsédé par sa collection d'objets magiques. Plus il en avait, plus il en voulait. Aucun royaume n'était trop dangereux et aucune relique hors d'atteinte pour lui. Une fois, il a même traversé tout Niflheim pour une pierre à aiguiser. Ça devait être une pierre à aiguiser très spéciale. Où est-ce que tu veux en venir ? J'y arrive. J'ai justement une pierre de passage pour la réserve de Fafnir. Ça pourrait vous servir. Génial. Merci, Sindri. De rien. Oh, et si vous trouvez cette pierre à aiguiser, j'aimerais beaucoup que vous me la rapportiez. Je vous conseille d'être prudent si vous visitez cette réserve. J'y suis allé il y a plus de 100 ans et toutes sortes de créatures indésirables s'y étaient installées. Ton ami sera pas fâché si on lui vole son trésor ? Oh ! Non, non, pas du tout. Il est mort, je crois. Oh, désolé. Non, ne t'excuse pas. C'est ce qui arrive quand on va de royaume en royaume pour collecter des objets précieux qui ne vous appartiennent pas. Ah. Très bon choix. Ok. C'est pas du tout ça que je voulais. Ah, c'est Léviathan. C'est toujours mort. Et pour toi, Atreus ? Toujours mort. Toujours mort. Toujours. Ah, mais ça, du coup, c'est dead. Dead. Tu et là. Ça a l'air pas mal, hein. Défense et récupération. Défense, ouais. Ruine et force. Ouais. Là, je suis en 2 plus, ouais, donc là c'est mort. Armure d'Atreus. Et pour toi ? Est-ce que tu veux autre chose ? Pomme de hache. Ah. Superbe. Non, je perds en force. Non, je gagne en force.
perds en défense, je perds en chance. Ouais, du coup, j'aurais plus de chance. J'ai gagné en récup. Ouais. Ok. Bon, mais c'est pas mal. Service. Et là, est-ce que... Oh, tiens. Très bien. Là, j'ai un peu de... me prendre ça. Ok, bon. Prendre le bateau ou pas? Oh non, faut pas reprendre le bateau. J'ai un aveu à te faire. Toutes ces voix dans ma tête, c'est pas la première fois que je les entends. Quand on a rencontré Brock, sa bête m'a prévenu que quelque chose se cachait dans les arbres. C'est pour ça qu'elle voulait pas traverser. Elle t'a parlé? Eh ben, je ressentais tout ce qu'elle ressentait, et je savais ce qui me faisait peur. Si ça recommence, dis-le-moi tout de suite, d'accord? Je te le promets. Et maintenant? Nous avons la lumière. Retournons à Midgard. Garde là. Non. Non. Ah, c'est là, on l'a. Attends, du coup, attends, non, quitter. Attends, là, faut. Objectif. Ah. De Niflheim. D'accord. Allez. Non, pardon, pardon, pardon. Niflheim. Par là. Poum pam poum pam poum pam poum pam poum. Ah
On a visité un autre royaume. Et on a rencontré ton frère. Enfin, pas dans cet ordre. As-tu laissé ce fichu bon à rien toucher à la lame, hein? Tu es au courant qu'il a perdu son talent, pas vrai? Il s'est réveillé un jour et il était parti. Il a essayé de m'entraîner dans sa chute. Est-ce qu'il a esquinté ce petit bijou? Bien au contraire. Allez. Ouais, même un cochon aveugle arrive à dégoter une truffe une fois l'an. Mais tu sais ce qui compte vraiment? La régularité. Et moi, c'est une chose que je peux garantir dans tous les domaines. Qu'est-ce que tu as fait? Une retouche. Bien, quand vous aurez fini de bailler aux corneilles, j'aurai un service à vous demander. Que veux-tu, nain? Il y a un alchimiste, un certain Andvari. Il travaille dans les mines de Volund. Ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Peut-être une centaine d'hivers. Il est sûrement mort, mais vous pourriez vérifier. C'est un nain, lui aussi. Il porte un bel anneau vert, et il me doit un service. Vous irez le voir? Si c'est sur notre route. Ah, d'accord, je vois. T'es pas du genre à rendre des services gratuitement, hein? Très bien. Si tu trouves Andvari, je lui demanderai de te bricoler un bibelot spécial. Cette pierre de passage te donnera accès aux mines. Ok, bon, bah là, je pense que... Bah, j'ai pas des masses de torse. Ouais, j'ai pas grand-chose, hein. Plus d'argent, c'est... Fin. Oui, mon garçon? Oh, ça y est, on a choisi. On va pas faire de mal, hein. Honnêtement, les enfants, voilà. Hop là, allez. Toujours okay. Un plaisir. Maintenant du balai. Sympa. Ok, bon. Non. Ça, c'est ça que je voulais. Tac. Pomme rare et un talisman rare. Ok. Bon, on va tenter tout ça, mais ça sera pour la prochaine fois. Oh, il se fait tard. Allez, à plus.